Bon, justement, un peu moins de 2 ans, un top 5 de ces 100 matchs, en les décrivant un peu ce qui reste en souvenir. Bon, je sais pas, c'est difficile de mettre un ordre, mais je dirais sans ordre précis, comme pour le Quintet, ça sera peut-être dans le désordre, mais on va citer l'Europa League, la Coupe d'Europe de la saison dernière avec Leipzig, notamment à domicile, parce que c'est le Vélodrome qui explose, quoi. C'est ça qui est incroyable, c'est un tonnerre, sur les buts marqués, voilà, c'est assourdissant pour l'adversaire quand ça pousse, et Dieu sait si ça a poussé. On a retrouvé à l'occasion de ce match contre Leipzig l'ambiance du Classico contre le PSG de milieu de saison ou du mois d'octobre l'année dernière. Là aussi, on est à quelques secondes de gagner, mais l'ambiance a été fantastique. Donc ce match-là aussi, il est dans les 5, évidemment, même si c'est un grand regret de ne pas l'avoir gagné. Après, il y a Salzbourg à domicile, c'est aussi la Coupe d'Europe. Après, il y a Lyon en Coupe de France que j'avais beaucoup aimé. Le but de Matheus Doria qui nous avait permis en Coupe de France de nous qualifier. Après, on peut ajouter plein d'autres matchs de championnat qui pourraient venir se greffer dans celui-ci. Je sais pas, les confrontations avec Nice ont été importantes. Le 4-2 à l'extérieur de la saison dernière après avoir été mené 2-0 ou le 2-1, but de Patevra, ou but de Gomis, but d'Evra, effectivement, qui nous a permis d'accrocher l'Europe à la fin de la première saison. Parce que vivre une finale d'Europa League contre l'Atlético de Madrid à Lyon, comme ça a été le cas, ça nous a été permis, parce qu'on a fini 5e la saison d'avant, là où personne ne nous attendait. Et je me rappelle qu'on a fait un très, très beau parcours, et notamment un mois de novembre, décembre, puis une fin de saison. Assez incroyable pour aller arracher cette 5e place, et on a bien fait de le faire parce que l'année d'après on a vécu de grandes émotions. Come on, click here, hit subscribe.